Salut à tous, bienvenue dans la mine de Ruto, auquel j'ai eu un peu de mal à accéder, mais finalement en parlant plusieurs fois aux villageois bien particuliers, à des villageois bien particuliers, on arrive à entrer dans la mine. Donc le but étant de trouver un sac de bombes. Aïe. Alors, je peux pas attraper les rubis. Bon, ça n'a pas du tout marché. Je vérifie qu'il n'y a rien de caché derrière ces trucs-là. Parce que on sait jamais. C'est débile ce truc. On se croirait dans Zelda Mystery of Solaris XD. Ah! Pour l'instant, c'est très linéaire. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser. La carte! Ah tiens, je me doutais qu'il y aurait des choses cachées comme ça un jour. Oh, pour l'interrogation. Assez grand quand même après, hein. Là, on a fait que un petit passage introductif. Petite clé, très bien. Oh là, je suis dans une grande salle. La boussole. Tiens, on va déjà aller voir ce qu'il y a par là. Une clé. Merci. Une autre prison. Qu'est-ce que ça va me donner, toi? Encore une clé. Bon, c'est cool. Alors après,
aller voir par là. D'accord. Ah, d'accord. Bah avec mes trois clés, je devrais y arriver. Bon, ensuite... Ensuite, il faut aller par là. Une clé. Deux clés et trois clés. Deuxième sous-sol. Ça a l'air d'être un vrai labyrinthe, cette mine. Ouh là là, ouais. Ah, d'accord, bon bah... J'ai pas fait ça dans le bon ordre. Ah mince. Ah bah ça va, il est généreux lui, il m'a donné 2 fois 20 rubis. Ouvrir cette porte, ça pourra servir. Par contre, si je peux y aller maintenant, ça sert à rien parce que j'ai pas de clé. Ah, ok. Donc déjà, je peux faire ça. Oh, il y a un coffre par là.
pareil. Enfin, ça indique pas vraiment les coffres en fait, ça indique les trésors. Alors donc maintenant que j'ai cette clé, non c'est pas par là. Faut que je revienne par là. Voilà. Et par ici. Clé du boss. Cool, mais j'ai toujours pas les bombes. Et pour aller jusqu'au boss, je crois bien qu'il me faut les bombes. Alors maintenant que j'ai ouvert ça, je peux refaire tout le tour. Aïe. Voilà, je viens d'ouvrir cette porte en fait. Oula, du monde ici. Ah. Ok, donc là j'ai ouvert encore une nouvelle porte qui est beaucoup plus proche du début du labyrinthe, je crois. Pas par là. Non, c'est pas par là. J'ai eu une hésitation, c'est par là. Et après, logiquement, ça doit être celle-ci. Voilà. Eh ben, je les aurais mérité ces bombes. Aïe. Oh, la porte du boss. Donc, peut-être que non, finalement, j'ai pas forcément besoin des bombes pour aller au boss. Mais ça serait plus l'inverse. Peut-être que ça serait le boss qui me donnera les bombes. Ah oui, et après ça me fait remonter directement au rez-de-chaussée. Je pensais que ça se ferait dans le sens inverse. Non, non, non. Tiens, prends ça.
Aïe, ah mince. Bon voilà. Salut, c'est toi le chef? Et c'est toi qui as les bombes? Ouais. Yes! Le sac de bombes! Trop bien, il est rempli en plus. Ok, cool. Bon, sauf que je peux pas puisque je suis Oni Link. Il faudrait tuer quelques monstres. Ah bah là, j'ai de quoi faire avec tout cela. On a au moins 6 dans cette salle, oui. Et en plus j'ai plein de sous. Ouais. Et là, je me souviens, ça me remet à l'entrée du donjon. Ok, cool. Donjon numéro 2, terminé. Donc maintenant que j'ai les bombes, je peux aller vers là-bas, vers le passage secret. Mais je suppose que ça va être la suite. Donc d'abord, il y a un endroit où je voulais poser une bombe. C'était juste ici. Fragment de cœur, yes. Ok, alors est-ce que c'est le seul endroit? Je suis pas tout à fait sûr, je pense que oui. Puis si jamais il y avait un autre endroit qui me revient pas à l'esprit. C'est pas très grave, je le retrouverai plus tard. J'ai pas envie de retourner, de revisiter tout le monde une fois de plus. D'accord. Il me faut le marteau. Donc là, logiquement, je vais arriver vers le temple Latuan, plaine est, village de Ruto, ouais, d'accord. Ok, bah vivement que j'ai le gant de puissance pour pouvoir soulever les pierres blanches parce que on en voit de plus en plus.
Et puis là, je peux pas passer. Quelque chose me dit que dans ce temple, je vais avoir le gant de puissance. Oula! C'est l'attaque des squelettes. Temple de Latoine. Ok, c'est parti pour le temple de Latoine que nous visiterons dans le prochain épisode. Salut, à bientôt!